beaucoup à toutes et tous. Donc, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage pour la semaine du 24 au 30 janvier 2022. Donc, comme d'habitude, si les messages ne résonnent pas en vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc, on va commencer par votre petite couleur, donc pour votre semaine. Donc, quelle va être votre petite couleur? Ok, on va voir si elle ressort. Alors, allons-y. Votre petite couleur. Nous avons orange épicé. Donc, la vie est en mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle, on vous dit les Capricornes. Donc, on va utiliser ce petit Lenormand, donc avec les bonbons, hein, plein de gourmandises, pour aller chercher vos messages. Donc, allons-y pour vous les Capricornes. Ah, on a des obstacles pour vous les Capricornes. Donc, pour la semaine du 24 au 30 janvier 2022, quels vont être vos messages? Donc, la vie est un mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Donc, on parle sans doute de changement à venir. Ouais. On parle de changement de... Vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose également. Hop là. Ouais. Quelque chose de beau en tout cas. On parle de changement. Alors. Oh, on a vraiment ces obstacles, hein, ces retards peut-être. Hein. Des blocages hein, par rapport à un changement, les Capricornes. Alors, on va les voir pour commencer à la coupe. Et ensuite, tirage en 7. Ouais, il y a du bonheur. Il y a de l'amour. On parle d'un courrier, de recevoir un courrier, une information. Allons-y. Ok. Alors, moi, j'ai quelqu'un de faux qui agit derrière vous. Ouais. Quelqu'un de faux qui agit derrière vous. Quelque chose de caché aussi. Hein. On peut dire que vous allez avoir, vous allez faire la lumière, en fait, sur quelque chose qu'on vous cache. Sur quelqu'un de... qui on parle de ouais d'être rusé là hein, de ou on peut parler aussi c'est le travail aussi hein, pour certains d'entre vous vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de faire des lumières, vous êtes en train de d'aller chercher des informations également sur un travail. Vous êtes assez méfiant. Assez méfiant. Parce qu'en fait, alors, le message que j'ai, en fait, vous demandez, en fait, ce qui se cache, en fait, dessous, en fait. Comme si ce travail était trop beau pour être vrai pour vous. Et donc, vous allez faire des recherches quand même. On parle bien de changement. Hein. Ouais, et puis, ouais, on peut parler du changement de travail. Mais peut-être que c'est quelque chose qu'on vous propose, mais qui a l'air trop beau. C'est pas clair, en fait. Il y a quelque chose de pas clair, là, pour vous, les Capricornes. Alors, on va aller, avec le tirage de 7, chercher... des précisions par rapport à cela. Quelque chose de trop beau pour être vrai. Vous vous demandez ce qui se cache sous ces jolies fraises, hein, délicieuses.
Alors là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est à la consultante qui est vraiment au cœur du sujet. Donc c'est vous, hein. Consultante ou vous, messieurs, on va parler de votre intuition, de ce que vous ressentez vraiment. Vous avez un ressenti, mais un bon ressenti. Par rapport à quelque, ouais, une proposition, moi j'ai envie de dire, quelque chose qui vient de l'étranger. Par rapport à un inconnu, peut-être, on a vraiment cette notion de cacher. Ouais, par rapport, vous avez peur pour votre maison, peut-être un vice caché pour certains par rapport à une maison. Il y a une proposition, en fait, oui, comme si cette maison, en apparence, elle a l'air magnifique, mais bam, il y a le prix qui est peut-être assez alléchant. Mais vous vous demandez en fait ce qui se cache en fait. Quel est le... Vous êtes méfiant? C'est par rapport à une transaction, hein. Alors, ce n'est pas forcément une maison, hein, c'est... Mais oui, il y a cette notion, prenez cette notion. Vous voyez, par exemple, pour ceux qui seraient dans l'achat d'une maison, c'est une belle maison, elle a tout pour... Mais en fait, il y a quelque chose qui ne colle pas par rapport au prix de cette maison. Et vous vous demandez qu'est-ce que ça cache en fait. Hein. C'est trop beau pour être vrai en fait. On a vraiment un avertissement quand même là. Hein. Moi, pour moi, ce message, c'est vraiment une mise en garde. Hein. On vous dit d'être prudent en fait. Hein. Ouais, il y a peut-être un vice caché là. Hein. Donc. Ça peut être pour l'achat de quelque chose pour votre maison, pour votre foyer, donc ça peut être une voiture. Mettez vraiment à votre situation, mais attention à quelque chose qui pourrait avoir l'air trop beau pour être vrai. Et c'est vous, hein, vous êtes méfiant, hein. Je vais tout recouvrir, hein, pour avoir plus de précision. Et on a cette notion de cacher, comme s'il y avait un vice caché. Il y a une décision à prendre. Ouais, parce qu'en fait, il faut prendre une décision. Peut-être qu'on vous empresse en plus à prendre cette décision. C'est pour ça que vous êtes. On vous dit, bah oui, ça ne va pas rester longtemps en vente. Parce que. Alors, ouais, j'ai. Votre solution, c'est vous qui avez la solution. C'est vous qui avez la clé. Hein. Il y a quand même. Vous avez la bonne solution. Vous allez avoir la bonne solution. Ouais, il va falloir être en discussion par rapport à cette transaction. Moi, j'ai envie de dire, il va falloir, oui, discuter pour chercher en fait ce qui se cache vraiment. Parce que c'est peut-être pas grand-chose, mais il y a peut-être un petit truc quand même. Hein. Ouais. Ça peut être aussi par rapport à un travail, hein. Quelque chose qui est alléchant. Mais tellement alléchant que vous avez peur, en fait. Il y a un truc qui ne va pas. C'est trop beau pour être vrai. Vous avez de l'amitié, hein? Ouais. Alors, dans quelque chose de nouveau. Comment dire, hein? Dans quelque chose de nouveau, hein? Par rapport à un changement, ça peut être un déménagement aussi, donc l'achat d'une nouvelle maison hein, ou la location d'une maison, il peut y avoir des conflits. Des conflits. Alors là, de toute façon, il y a le chemin, hein, vous prenez le chemin hein, du changement, de toute façon, vous allez prendre un choix, en fait, en tout cas, moi, je vois un choix hein, par rapport à une proposition. Vous allez faire le choix, ça c'est certain. Vous allez faire le choix de la sécurité pour moi. Mais on a toujours cette notion de attention de ne pas prendre le mauvais chemin. Prenez le chemin de la sécurité. Remise en garde. Hein. Par rapport, alors j'ai envie de dire. Ouais. Il y a quelque chose de trop beau en fait. Vraiment trop beau. Je vais recouvrir là les querelles, les discussions.
Ouais, alors là, c'est vraiment, je sens des blocages qu'il va y avoir en fait hein, suite à des discussions. Vous allez bloquer. Vous allez voir qu'il y a quelque chose de pas bon. Alors, voire même mettre fin en fait hein, à la discussion. Bon, il y a des conflits, mais vous retrouvez la santé. Hein. Il y a quelque chose de bon. Donc, Ouais, mise en garde parce que ça peut vous apporter, comment dire, des soucis, hein. Vous avez des inquiétudes en fait, hein. C'est pour ça, vous allez être méfiant. Vous êtes protégé, hein. Vous avez votre bonne étoile avec vous qui vous protège. Hein. Ouais, là, par rapport, ouais, peut-être un truc caché, hein. On parle de blocage, hein. Vous restez bloqué, hein. Il y a quelque chose de trop beau pour être vrai. Ouais, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui a été transformé, qui n'y aurait pas dû. Voyez vraiment par rapport à votre situation. Vous avez le triomphe, hein, pour moi. C'est la carte de l'union, mais j'ai envie de dire, moi, je vois plutôt un triomphe. Dans cette arnaque, en fait, hein. Pour moi, ouais, il y a. Avec ce serpent, en fait, il y a trahison, hein. On veut vous tromper. Il y a tromperie, là, hein, sur quelque chose qu'on vous propose, hein. Ouais. Il y a une réussite, il y a le triomphe. Je vais recouvrir l'ami. Ouais. Il y a peut-être une histoire de. Ouais, vous sentez en fait quelque chose qui n'est pas loyal, hein. Quelque chose qui vous inquiète, hein. Vous pouvez avoir des nouvelles par écrit, en fait. Ouais. Ouais. Des nouvelles par écrit, vous allez peut-être faire des recherches par rapport au bien que vous voulez acheter ou autre, hein, vous voyez, hein, par rapport à une transaction vraiment ou un travail. Quoi qu'il en soit, si c'est un travail ou un achat immobilier ou même d'une voiture, hein, vous allez faire des recherches et moi je vois en fait une aide en fait des écrits d'un homme de loi qui va vous lister en fait tout ce qui est bien ou pas bien. Hein. Vous avez la protection, hein. Vous allez trouver le sens caché des choses. Vous allez les avoir là, les Capricornes. Donc, alors, on a en dos de deck l'homme. Peut-être que c'est un homme hein, qui essaye de. Ouais. Un homme hein, qui va vous apprendre des choses également. Plutôt de confiance, un homme de confiance par rapport à quelque chose de nouveau. Il y a un écrit qui apporte du soleil, des lumières, en tout cas, par rapport à une trahison. Donc voilà. Donc pour vous les Capricornes, alors mise en garde contre par rapport à une transaction, quelque chose de caché, un vice caché. Donc attention. Je vais prendre l'oracle des chakras maintenant. On va aller chercher des petits. Vraiment, vous êtes vraiment avertis là. On vous dit. Donc, je recule un petit peu. On vous dit attention. Hein. Donc, on a attention. Il y a l'empathie, la tolérance, la gentillesse. Donc, chiffre 28, nous avons la compassion. Donc, on est sur le chakra du cœur. Je pense que on vous dit écoutez votre cœur là. Votre cœur ressent bien les choses. Il y a vraiment un avertissement. Vous voyez comme elle est belle, cette fleur. Elle est très belle. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. On essaye de peut-être de jouer un petit peu avec votre empathie en plus.
votre gentillesse. C'est le message que j'ai. Il y a des échanges à avoir hein, pour aller chercher des informations. Hein. Surtout, soyez dans la communication. Il y a des choses à aller chercher. Hein. Il faut communiquer avec différents, peut-être, services ou personnes pour avoir les bonnes informations, j'ai comme message. Hein. Je reçois pas mal hein, les messages là. Hein. Plutôt bien, hein, ça me semble bien clair. Hein. Allez chercher les informations nécessaires. Alors, un dernier message pour les Capricornes. Ah. Ouais. On parle de. Ouais, de. On va voir si ça ressort de possession. On parle de désir. Alors, on va voir. Il y a vraiment une transformation, en tout cas. Hein. Dans les rapports humains, vous allez. Ouais, vous allez vous méfier. On parle de désir. Ouais, moi je pense, attention, alors là c'est attention, attention hein, à une ouverture, à une opportunité qu'on pourrait vous faire croire. Attention parce que il y a quelque chose de. Voilà, il faut peut-être pas faire confiance tout de suite. Hein, ne montrez pas que vous désirez par exemple un bien ou quelque chose absolument parce qu'on peut s'en jouer en fait. Hein. Ouais. Oh, ah, mince, excusez-moi, elle est tombée. Donc, c'est qu'elle veut vraiment venir. Ouais, nous avons autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement, responsabilité. Vous voyez, là, vous voulez faire pousser un projet, vous avez un projet, vous avez un désir, hein, quelque chose que vous tenez à cœur, hein, et on vous dit attention, attention, parce que justement, on pourrait vouloir profiter en fait de ce désir d'avoir en fait et de vous tromper et puis vous arnaquer en fait. Hein. Il y a un vice caché quelque part là. Donc si il y a quelque chose qui vous semble trop beau pour être vrai, il y a de grandes chances que vous ressentiez, vous ayez le bon ressenti là. Donc voilà pour vous les Capricornes. Donc, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Donc, et puis je vous dis à très vite pour un nouveau message pour la semaine, ben, pour le mois de février. Je ferai les signes pour le mois de février. Donc voilà. Donc, ben, je vous fais de gros bisous.